allons écouter notre sœur dans deux minutes. C'est sa première fois, elle est musulmane. Elle ne sait pas, je tente de lui dire qu'est-ce qui s'est passé, quel moment tu as été délivré en quelques minutes. Je m'appelle Salimata. Salimata. Oui, je suis malienne. Je suis musulmane. Bon, quand j'ai vu ces œuvres sur YouTube, bon, je me suis sentie concernée par ces problèmes. Bon, je suis venue. Bon, je sais que ça n'allait pas chez moi dans ma vie. J'étais bloquée parce que je ne pouvais pas aimer un homme. Tu ne peux pas aimer un homme. Ah bon? On dit j'aimais qui? Parce que j'avais un homme, mais je le vois. En rêve. Dans les rêves, oui. Dans les rêves, je vis avec lui. Mais donc, c'est ta maman qui m'a donné au mariage. J'ai un enfant avec lui. Donc, là-bas. Ouais. Il va à l'école. On va à l'école. Il a quelle classe là-bas? Donc après l'université, bon, je me suis dit, il est temps que je me mets avec un homme, mais ce n'était pas par amour. Bon. Ah bon? Oui, je le sens le besoin, mais j'ai fait, mais ce n'était pas dans la veille. Je comprends, moi je te comprends. Donc du coup, on a fait le mariage, j'ai fait des fausses couches. Bon. Combien de fois? 4. Tu as fait combien d'années de mariage? 12 années. Donc, vraiment, c'était un bon. Et les fausses couches, ça venait comment? Vous voyez que vos problèmes, là, c'est petit, non? Souvent, vous venez, vous avez un problème. Quand vous attendez pour les gens, vous dites, comment là, c'est petit? Des fois, il me dit la nuit, Sally, tu sais, je t'ai dit que j'aime pas l'odeur de l'urine de l'enfant. Quand il me dit dans les rêves, la nuit, le lendemain, j'y sais. Et puis, c'est fini, la grossesse passe. Et puis, c'est fini. Et ça t'aide combien de mois? Le plus gros, c'était à 4 mois. C'était des jumeaux à 4 mois. Des jumeaux en plus. Oui. Vous voyez comment les dégâts, comment les esprits font des dégâts dans la vie des gens. Donc quand j'ai vu ces œuvres sur YouTube, bon, je suis venue, il m'a délivré le dimanche passé. Et Jésus-Christ, tu es bien. Jésus t'a béni, c'est ça? Est-ce que tu peux l'acclamer? Oui, j'aime bien Jésus. Bon. Non, Jésus t'a béni. Est-ce que tu peux l'acclamer? Lâche-la. Elle a un esprit. Lâche-la. Tu vas la laisser. C'est ce qu'on appelle l'onction, vous voyez. C'est une femme qui est perturbée. Elle a des esprits. Oui. Tu es près d'elle, monsieur. Oui, non. Lâche-la. Non. Pourquoi? Tu vas mourir? Et pourquoi? Non. Tu vas la lâcher? Non. Tu vas la lâcher? Non, qui es-tu? Non. Qui es-tu? Mon cœur. Ton cœur a fait quoi? Ça me brûle. Qui es-tu? Je ne sais pas. Tu fais quoi dans sa vie? Je ne sais pas. Et si c'est un ministère de délivrance, ne soyez pas surpris par ce qui se passe. Dis amen. Amen. Dis à quelqu'un, c'est comme ça se passe ici. Je sais pas. Hein? C'est comme ça ici. Hein? Ne soyez pas effrayés. Amen. Quand il y a un démon, on le chasse. D'accord? C'est comme ça ici. Lâche-la. Tu viens d'où et tu fais quoi dans sa vie? Tu viens d'où et tu fais quoi dans sa vie?
jamais fait mal. Tu vas la laisser? C'est toi qui fais qu'elle n'arrive pas à se marier. Oui. C'est ça? Aïe. C'est ça? Aïe. C'est ça? Oh. Hmm? C'est toi qui fais qu'elle n'arrive pas à se marier. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous savez, quand vous avez une onction spéciale, quand un démon est là, il se manifeste. Tu vas la libérer. 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 Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Je n'arrive pas à respirer. Si, si, tu vas respirer. Lâche-la, tu m'attends? Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Lâche sa vie. C'est toi qui fais qu'elle n'aime pas les hommes. C'est toi qui veux. Tu l'as épousée, c'est ça? Tu fais qu'elle n'aime pas les hommes. Elle ne peut pas se marier. Quitte son cœur et quitte sa vie. Quitte son cœur et quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. J'ai perdu. Allez, va-t'en! J'ai perdu toi! Voilà, donc sors! Quitte sa vie! Quitte sa vie! Quitte son cœur! La dame, elle n'a jamais aimé depuis qu'elle est née, elle n'a jamais aimé homme. C'est-à-dire qu'on ne sent pas d'amour, elle n'a jamais expérimenté l'amour. Elle n'a jamais aimé homme. Son cœur, c'est l'esprit qui nous fait. Les démons qui nous font. Il faut partir alors. J'ai perdu toi. Si tu as peur, il faut partir. J'ai perdu lui. Partir. Non. Très bon.
va quitter sa vie. Je l'approche pas. La chanteur, la puissance de Dieu.
Thank you.
Non, je n'ai pas dit qu'il faut être Jésus ta mousseau. J'ai dit Jésus t'a délivré. Voilà. Donc acclame-le. C'est difficile pour elle parce qu'elle n'est pas habituée. C'est pas son monde. Ouais, je suis en train de l'aider. Nous sommes tous passés par là. Je n'ai pas jeûné parce que je suis dans une église. Bon, j'étais à la recherche. Moi, je suis passé par là aussi. Voilà. Quand on n'est pas trop habitué au milieu chrétien, on a une attitude, toi, attitude, ben, Dieu t'a guéri. Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?